Coucou mes chéris, c'est Tali Beauty. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, que tout se passe bien chez vous. Chez moi, ça va, par la grâce de Dieu. Si tu es nouvelle abonnée, nous te souhaitons la bienvenue chez nous, la bienvenue chez toi, la bienvenue dans la famille. Ici, c'est le partage. Si tu as quelque chose à dire à ta soeur, à ton frère, pour compléter, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu es de passage sur ma chaîne, que tu viens juste de découvrir ma chaîne, tu es tombé par hasard là, n'hésite pas à t'abonner, c'est avec un grand plaisir que nous allons te recevoir dans notre famille. N'hésite pas à activer la cloche de notification, ça va te permettre tout simplement d'être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Mes chéris, pour toutes les personnes qui veulent les savons, les laits, les huiles, bien, 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 super, super là. Et bien, ça se passe sur Instagram. Mes produits, ça se passe sur Instagram. Mon Instagram, c'est Tali Beauty. Je te laisserai un lien dans la description, comme ça, tu tomberas directement sur mon Instagram. Qui va se négliger? Nous tous, on est au taquet. Nous tous, on est au taquet en ce moment-là. Si tu n'as pas Instagram, tu peux passer par mail, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, en tout cas, c'est Instagram et c'est par mail. Mon mail, c'est unbeauty541@gmail.com. Aujourd'hui, on va parler de ce lait-là. Si tu connais déjà ce lait-là, le lait jaune d'œuf, dis-nous ça en commentaire. Dis-nous comment tu l'utilises. Dis-nous comment tu l'as découvert. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous avez été nombreux à me dire. Tali, 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 refais-nous une revue de du lait tout seul, refais-nous une revue. Je vous avais fait une vidéo mélange sur ce lait-là. Donc, j'ai décidé de vous faire comme je vous adore, comme vous êtes dans mon cœur. J'ai décidé de vous faire votre vidéo que vous m'avez demandé. Alors, donc, je vais vous faire la revue de ce lait-là, qui s'appelle Jaune d'œuf. Déjà, c'est un lait, ils ont mis en gros comme ça, là. Sans hydro. Il n'y en a pas dedans. La contenance, elle est de 450 ml. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. L'agent éclaircissant dedans, ils ont mis que ce sont des HA. C'est une gamme, en fait. Dans la gamme, il y a le savon, le gel douche, une crème. En tout cas, il y a pas mal de trucs. Mais nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le lait. En tout cas, ils disent que c'est clarifiant. C'est un lait clarifiant. Mais, clarifiant, ils mettent encore que ça agit en 7 jours. C'est marqué en 7 jours, tu as déjà des résultats. Mais bon, moi, je ne comprends pas qu'un lait clarifiant puisse éclaircir. En 7 jours, franchement, je réfléchis depuis, mais non, non, je ne pense pas. Mais comme je te dis toujours, chaque peau est différente, vraiment. Ça, il faut que tu retiennes ça, que chaque peau est différente. Même si c'est ta propre sœur, il peut arriver que elle, chez elle, telle gamme va marcher. Elle va voir les résultats bien. Et chez toi, tu n'auras pas les bons résultats. Ou bien ça va prendre beaucoup plus de temps pour avoir des résultats. C'est comme ça. Chaque peau est différente. On a tous des caractéristiques différentes. Et aussi, il y a aussi un problème de routine. Mes chéris, le conseil que je vais vous donner, il faut être constante aussi. Il faut vraiment être constante. Comme je t'ai dit, tu es une sublime. Tu n'es pas n'importe constante. Comme je t'ai dit, tu es une sublime. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une sublime. Quand tu entends ce mot-là, franchement, prends soin de toi. Sois constante, prends ton temps. Fais tes masques, fais tes gommages, hydrate ta peau, nourris ta peau. Tu es la seule qui peut faire ça. Et tu vas voir que ta peau, elle va te dire merci. Fais des pauses. En tout cas, instaure une routine, ma chérie. C'est dans une routine que tu auras des résultats. Ce n'est pas une semaine que tu vas utiliser ça. La semaine prochaine, tu vas utiliser ça. La semaine d'après, tu vas utiliser ça. Non, il faut avoir une routine, ma chérie. La constance, c'est ça qui est conseillé. Mais partout, il faut une routine. Tu hydrates, tu exfolies,
tu mets tes produits, tu fais des masques naturels, tu fais des masques que tu peux acheter. Franchement, ma chérie, prends soin de toi. Concernant l'odeur de ce lait-là, pour moi, ça passe, hein. Franchement, moi, l'odeur, pour moi, c'est agréable. Mais comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas là, c'est pas la peine que je te dis, moi, j'aime. Peut-être toi, tu vas sentir, tu vas pas aimer. Oh. Donc, pour moi, ça passe. Mais je sais pas pour toi si tu vas aimer ou pas. Les résultats sont rapides. Les résultats sont rapides dans ce lait-là quand tu le mélanges avec d'autres produits. Je te conseille personnellement, si tu l'utilises tout seul, si tu éclaircis de plusieurs teintes, tant mieux pour toi. Mais pour moi, en tout cas, pour moi, pour booster, il faut le booster. Il faut utiliser, en tout cas, faut rajouter des boosters. Qu'est-ce que j'appelle booster? C'est tout ce qui est sérum, tout ce qui est huile éclaircissante, bien sûr. Sérum éclaircissant, huile éclaircissante, concentré, tout ça, ce sont des boosters en fait. Tout ça, ce sont des boosters. Si tu le boostes, tes résultats, ils seront vraiment rapides. Moi, j'ai constaté que ce lait-là, il atténue pas mal les taches. Il est unifiant. C'est pas la texture n'est pas super super lourde, tu sais, parce qu'il y a des laits des fois même pour sortir de la boîte, et mon Dieu, tu vas galérer. Celui-là, ça va, tu appuies, il sort directement, ça va. C'est un lait, en tout cas, moi je te conseille de le booster tout seul. Si tu veux gagner trois teintes, deux teintes, ça va faire beaucoup trop. Tout seul, je pense qu'il peut pas éclaircir tout seul. Vraiment, si tu veux avoir beaucoup de teintes, tu veux vraiment avoir beaucoup de gagner beaucoup de teintes, en tout cas, hein, il faut que tu le boostes, comme je t'ai dit, soit avec des sérums. Il y a la liste des meilleurs sérums sur ma chaîne YouTube. Il y a la liste des concentrés. Il y a des huiles. Tu fais en tout cas un bon mélange avec toute intelligence. Tu vois, tu fais un bon mélange avec ça. C'est vraiment un bon lait. Comme je t'ai dit. Quand tu veux avoir aussi une peau uniforme, ma chérie, tu te gommes, tu hydrates. C'est pas parce que le lait en a marqué éclairci en 2 jours que toi, même si tu ne t'éclaircis, même si tu ne te gommes pas ou que tu ne t'hydrates pas, tu auras des résultats en 2 jours. Ça va te donner des uniformités. Le gommage va t'aider à uniformiser ta peau. Le gommage va t'aider à uniformiser ta peau. Si tu as un très bon savon, vraiment, si tu as un savon bien boosté, tu utilises un bon mélange, ma chérie, je ne vois pas comment tu n'auras pas des résultats, et que tu penses dans la journée à hydrater ta peau. C'est pas parce que tu vas utiliser le produit éclaircissant que le soir, que tu vas pas éclaircir, hein? Que tu vas pas gagner de teinte. Faut pas avoir peur. La journée, hydrate ta peau, nourris ta peau. Le soir, tu fais ton tien. Ma chérie, je te le dis tout le temps. Et tu vas voir les résultats, tu vas voir les résultats. Ce lait-là, il est bien. Franchement, il est bien. Après, les inconvénients que moi, je peux trouver dans ce lait-là, il faut pas le mettre au visage. Parce que si tu le mets au visage, il peut te donner des boutons. Ce lait-là, c'est ce que moi, les inconvénients que je peux te dire que j'ai trouvé dans ce lait-là, c'est ça. Et aussi, je trouve que tout seul, tu ne peux pas gagner plusieurs teintes. Il faut toujours le booster. Et chez certaines personnes, j'ai remarqué, chez certaines personnes, que ça peut avoir tendance. C'est pour ça que je vous dis, mes chéris, je vais encore revenir, oh, je vais encore revenir. Gommez-vous la peau. On ne dit pas de gommer la peau tous les jours. Non. Une à deux fois par semaine, c'est assez pour gommer sa peau. C'est assez pour gommer sa peau. Gomme-toi ta peau. Hydrate ta peau. D'ailleurs, je vais te faire un mélange. Comment je booste mon lait hydratant le matin. Comment je booste mon hydratation. Et comme ça, je suis bien hydratée de la journée. En tout cas, je vais te faire, je te promets, vraiment, je te promets, je vais te faire le temps. Quand je vais faire, là, j'ai acheté ma crème.
Quand je ferme mon mélange, je vais le filmer et puis je te mettrai ça d'ici là. Si tu es à la recherche d'un lait, que tu tombes sur celui-là, tu peux le tester. Vraiment, il est bien. Il est bien. Après, ça dépend juste des teintes que tu veux. Si tu veux beaucoup de teintes, n'hésite pas à le booster. Si tu veux juste clarifier, eh ben, tu l'utilises. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Je te fais des très gros bisous. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Bisous, bisous.